Retour du fils prodigue. Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleure professeur. Où est mon père? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser comploter en toute liberté. Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui, si tu le trouves un jour? Tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face aux Templiers, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Assassiné 25 et demi. Tu es un ours. Au secours! À l'aide! On va sortir. À l'aide! Au secours! À l'aide! Hé! Toi là! À l'aide! Il va mourir! Hi! Le temps presse! Viens vite! Là-bas, il vient de passer sous le pont. Par pitié. Alors pour éviter de toucher l'eau, il n'y a pas 36 solutions, faut... J'ai évité les combats avec des animaux qui vont nous faire perdre un temps de ouf. Là on nous fait croire qu'on va peut-être pouvoir le sauver, mais c'est baisé. Pitié. Il y a de la bestiole qui traînasse. Au secours! Par pitié! Au secours! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! Ça va aller, ça va aller. J'arrive. Normalement là ça compte pas hein. Quand on touche l'eau, on va être fixé. Ce pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur. Mais qui tu traites de crétin? Toi, parce que t'en es un. Qu'est-ce que tu faisais sur cette ronde? C'est les risques du métier de bûcheron. On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre des arbres. On veut construire une scierie dans les environs. Je connais un bon endroit non loin du manoir, sur la colline où j'habite. Ah! Toi, tu me plais déjà. On va les voir. Sauvetage en rivière. Nice.